Cinéma, le cinéaste antillais Lucien Jean-Baptiste signe Dieu merci. Merci Seigneur, tu m'as rendu mon fils. Oh. Je te dis un truc là, tu te souviens de ce que je voulais faire quand j'étais petit? Ben ouais, pompier. Et non, mon comédien, c'est comédien que je voulais faire, tu te rappelles pas? Mais qu'est-ce que je vais faire comme toi? À sa sortie de prison, Dieu merci, 44 ans, décide de changer de vie et de suivre son rêve, devenir comédien. Pour y arriver, il s'inscrit à des cours de théâtre qu'il finance par des missions d'intérim. T'es de quelle origine? Parce que Dieu merci. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Son binôme Clément, 22 ans, lui est opposé en tout. Dieu merci va devoir composer avec ce petit emmerdeur. Il accueille dans sa vie précaire, faite d'une modeste chambre d'hôtel et de chantier. Au fil des galères et des répétitions, nos deux héros vont apprendre à se connaître et s'épauler pour tenter d'atteindre l'inaccessible étoile. Pour le concours, je suis comme toi. Hein. Faut que je bosse. Mais Jésus, Marie, José Pérec, mais c'est formidable! N'es-tu pas un Roméo? N'es-tu pas un Montaigu? Montaigu dans ton cul! Appuie sur le bouton! Le cinéaste Lucien Jean-Baptiste s'est ici entouré d'acteurs avec lesquels il a déjà travaillé. Fermine Richard, qui jouait également sa mère dans La Première Étoile, Michel Jonas et Édouard Montout à l'affiche de ces deux précédents films. Merci de rester scotché sur les programmes de Youbiz News, votre chaîne Info Musement.